L'ennemi est actif dans le secteur. J'en vois un autre. Jamais 203. Avec lui, ça fait 5. J'ai un sniper en visuel. Cible confirmée. Pareil à l'attaque. Cible repérée, quand tu veux. Reçu. Cible désignée. Je suis prêt, quand tu veux. Betty. Ok, on peut respirer. Tu les situes où ? Recule avant de te faire repérer. Je vois 2 sicarios. Par là, près du point de contrôle. Karen, merci pour les infos sur ce cartel rival. Un peu de désinformation, un petit numéro façon espionnage de comptoir. Ça m'a servi pour interroger ce sicario avec Yuri Hippolyto. J'aimerais dire que c'était la première fois que je prenais mon pied à torturer un prisonnier, mais... je vais pas te mentir. Je me sens pas franchement coupable, mais... j'irai pas m'en vanter non plus. De toute façon, je me suis toujours dit qu'on n'était jamais ni tout blanc, ni tout noir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil pour nous deux tourtereaux. Ils sont capables des pires saloperies. Mais c'est trop rapide de les résumer à ça. Ok, ils ont la réputation d'être complètement barrés. Et ils l'ont pas volé. Mais la plupart de leurs méthodes d'interrogatoire, elles sortent droit d'un manuel made in America. Pour le reste, pour les trucs vraiment bizarres, Polito s'est inspiré d'un vieux roman français, L'Histoire de l'œil. C'est pas que je les défends, hein. Au contraire. Tout ce que je dis, c'est qu'ils ont rien inventé. Moi, c'est plus leurs grandes envolées amoureuses que je retiens, plutôt que leurs méthodes qui sont finalement assez plan-plan. Si tu peux aimer quelqu'un à ce point, tu peux pas être si diabolique que ça. Yuri et Polito avouent qu'ils prennent leurs pieds à torturer des gens. Ok, c'est pas commun. J'ai repéré un groupe de sicarios. Sans doute un peu psychopathe. Mais... est-ce que ça fait d'eux le mal incarné? Hello, ici DJ Perico qui vous passe de la zik à vous remuer le trou de balle.
Carlos a un petit message à caractère informatif. Tu ne trahiras point la Santa Blanca. Faites-moi chier, soignez-vous les gars. Justement, écoutez un peu ce que Rofré nous dit de bon. Estas pinche muerto. Soit une troisième cible. Pinche cabron. Soit je pars d'ici avec des réponses, soit c'est avec des oreilles. À toi de choisir. Voilà, ça va, relax. Je vais tout te dire, ok? Jamais 203. Je l'ai aligné. Cible désignée, c'est quand tu veux. Cible marquée. Quand tu veux, chef. Merde, je veux feu. À terre, t'es trop visible. Ah, chingados. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa, güey? ¿Andan enterados, pues? C'est bon. Conduit. Mais ce que vous êtes moins nombreux à savoir, c'est que pas longtemps après avoir fait connaissance à l'hôpital où ils bossaient tous les deux, Yuri a porté plainte contre Polito pour harcèlement sexuel. Et pourquoi, me demanderez-vous? Parce que Yuri voulait qu'il fasse plus attention à elle. Ça a marché, faut croire.